voulez encore partir? Laissez Thomas en train de dormir comme tous les vigiles. Depuis que Klaxon, tu es où? Madame, il a tâché mes lacets. Quel lacet? Dis plutôt que tu dormais. Hey, qui? Moi, madame? Est-ce qu'on dort au travail, madame? C'est quoi comme ça? Dormir au travail? C'est quoi, tu dois comme ça? Madame, dormez personne dort au travail, madame. C'est quoi au pied comme ça? Regarde tes pieds. Sale. En tout cas, je suis à l'intérieur. Je suis avec mon cousin là. Si quelqu'un me cherche, tu dis que je ne suis pas là. Tu salues quoi? Dégage. Disparaît. Viens. Dégage. Nyokon. Nyokon. C'est pas possible. Il fait son quoi qu'on a fait. Nyokon. Mais, je dis, hein, tu fais mieux souvent quoi qu'on t'appelle. Et t'as chassé les mouches dans la cour. Tu chassais les mouches avec la bouche pleine, hein, c'est ça? Je vais à demi. Bon. Va me faire un transfert plus vite. Mais, le cousin de madame, vous faites quoi avec le peignoir de vos cheveux? Hein, papa? C'est la magie, hein? Qu'est-ce que j'entends là? Oui, madame. Tu te prends pour qui? Pour surveiller ce qu'on porte dans ma maison. Hein? Laisse-moi te dire ceci. Comme tu es entré ici, c'est pour travailler. Moindre erreur, je te mets à la porte. Ouais, madame. Madame, pardon. Pardon, madame. On t'a commissionné, non? C'est que lui me regarde dans les yeux. Putain, me gale. Viens. Merci. Tu m'achètes 3 bâtons de cigarettes et 4 bitacolas. Mais mon frère, tu peux me parler une fois, j'achète une fois, répéter pour le transfert. C'est comment, non? Dieu, tu veux que je l'appelle? Non, mon grand, c'est vigile. Hein? C'est comment que tu m'envoies dans le soleil qui chauffe? C'est comment, non? Va faire ce que je t'ai demandé au plus vite. Viens travailler une fois, les travaux. Ça dit quoi, non, bro? Hé, le Nyokon, le seul vrai vigile, le rapace, l'homme qui ne laisse rien passer. Man, l'homme souffre. Comment? Tu te rends compte? Je suis moi assis là dans ma bonne vigilance. Quand soudainement, madame arrive avec un monsieur, noir comme les péchés du diable.
il m'envoie d'abord faire le transfert sous le soleil. Je pars. À mon retour, il m'envoie encore acheter le bitacola et les cigarettes. Et dessus quoi? Il a porté sur lui le peignoir de mon boss. Anyanga belle, mais je mange la viande du mouton. Bon, c'est quoi le rapport maintenant? Mais ça sent le mouniagé dans le monabi moussolet. Attends, c'est quoi le rapport? Mais tu n'as pas compris quoi? Attends, tu me fais le temps. Après, je m'arrête pour continuer ma communication. Hé, d'accord, te voilà. Hé, maman, hé. J'arrive. Gars, tu me gardes un bitacola. Bon arrêt, patron. Tu vois ce qui s'est passé? Non, Nyokon, la conférence était renvoyée, donc du coup, j'ai pu voyager. Ok, d'accord. En fait, madame, elle est rentrée. Elle est venue avec ses cousins là. Mais, patron, il a m'attaché votre peignoir sur lui, je comprends pas. Un cousin qui a porté mon peignoir? Je vous jure, patron. Mais c'est encore qui ça? Je ne sais pas, il est en haut là. Angela! Voilà. Angela! Angela! C'est toujours le bijou qui lave le sien. Le même bijou fait le marché. C'est toujours le bijou qui fait la vaisselle. Il est venu faire la zona. Maintenant dans la maison, le voici embrouillé. La matin à Tortugada, d'ici le boss est au courant. Il sera renvoyé, il est malé. Maintenant les problèmes sont sur la fin et de tuer. Il veut bien démissionner, mais il y a les enfants à la maison qu'il faut nourrir. Vraiment c'est compliqué, mais il n'a pas le choix, oui, que d'assurer.